Catherine Laborde, la présentatrice météo préférée des Français, a célébré ses 71 ans ce 8 avril 2022. Pour l'occasion, sa sœur Françoise Laborde a partagé sur Instagram un tendre cliché de l'ex-présentatrice météo qui a ému les internautes. Il faut dire que cette animatrice télévision a disparu de la sphère publique depuis 2017, date de son dernier bulletin météo sur TF1. Joyeux anniversaire ma Catherine, profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie. Tu es toujours souriante, toujours courageuse, a écrit Françoise Laborde sur le réseau social. Un message largement commenté par les admirateurs de l'ancienne présentatrice de la météo. On apprend en 2018 que Catherine Laborde est malade depuis de nombreuses années. Elle annonce qu'elle souffre de la maladie à Cordelevy, un type de démence proche d'Alzheimer ou de Parkinson. Durant un entretien auprès d'Audrey Crespo Mara en 2020, elle précise souffrir de perte de mémoire. Là je viens de vous parler, je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt. Elle explique par ailleurs ne pas reconnaître son mari ou ses filles parfois. Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre. À la fois oui je les reconnais et non je ne les reconnais pas. Catherine Laborde décide de quitter les planches du théâtre. En 1988, sa sœur Françoise Laborde, alors chef du service économie et rédactrice en chef adjointe de TF1, pousse Catherine Laborde à candidater pour le poste de présentatrice météo. Elle présente alors les prévisions météorologiques avant et après les bulletins d'information de 13h et 20h. Ce sera un véritable succès, puisque Catherine Laborde occupera cette place jusqu'en 2017, où elle présentera son dernier bulletin météo sur la première chaîne. En parallèle de la présentation du bulletin météo, Catherine Laborde a participé à de nombreuses émissions de télévision et jeux télévisés au profit de différentes associations caritatives. Elle est présente à chaque édition du divertissement Le Grand Concours des animateurs, un quiz diffusé sur TF1 avec comme candidat des animateurs et animatrices de télévision. Elle remporte deux fois l'épreuve, en 2007 et 2011. Catherine Laborde participe à l'émission Sosie, or not Sosie, et en 2012, le jeu Fort Boyard. L'année suivante, les téléspectateurs la voient dans Money Drop en prime time pour une émission spéciale en faveur du secours populaire. Le 1er janvier 2017, à 65 ans, Catherine Laborde fait ses adieux à la télévision lors de son ultime bulletin météo. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais avec, aussi, tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour. Cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m'a porté pendant ces 28 années, a lancé Catherine Laborde à la fin de son bulletin. Après 28 ans à la présentation, elle remercie les téléspectateurs de l'avoir suivi durant toutes ces années. 4 ans après avoir pris sa retraite de l'antenne de TF1, Laborde explique ressentir un désespoir total, comme un enfant qui a perdu, comme une personne qui n'a plus de lien avec l'extérieur. Elle explique d'ailleurs dans 7 à 8 que ses adieux à la météo de la une lui semblent loin parce que c'est la maladie qui va l'emporter, je pense, à un moment ou à un autre. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure encore un moment. Mais je sais bien qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter.